bande de chiens scorbutés et masochistes, on est de retour pour la deuxième partie de l'interview du docteur Dickes, ce forban écrivain qui nous a accouché d'une trilogie de fiction qu'il veut un peu comme un avertissement prophétique. Un peu comme 1984 de George Orwell, le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, ou peut-être 1999, le feu du ciel de Paco Rabanne. Parfait, retour sur le plateau de TV Liberté avec des journalistes pas 100% parfaits. S'agissant de l'intelligence artificielle, on avait tous en tête le film de Spielberg, bien sûr. C'est lui qui a révélé cette notion-là au grand public. Et puis aujourd'hui, on a la déclaration de Stephen Hawking qui dit en gros que l'intelligence artificielle pourrait mettra fin à la race humaine. Est-ce que vous partagez sous les auspices de Stephen Hawking, qui pourtant est un savant darwiniste, que ce livre est placé? Désolé, Stephen, ça doit être insultant. Et pour ce qui est du darwinisme, Stephen Hawking est physicien, pas biologiste. Le terme que vous cherchez, docteur, est scientifique. Savant darwiniste, c'est aussi pertinent que de dire ignorant créationniste. Je reprends plusieurs de ces déclarations au sein de ce livre et je commence par ça pratiquement en disant, ben oui, l'intelligence artificielle à un moment, c'est lui-même qui le dit, deviendra tellement importante qu'elle risque de détruire la race humaine. Il utilise le terme de race, n'en déplaise à Monsieur Hollande qui dit que les races n'existent pas. Lui a dit peut mettre fin à la race humaine. Docteur, 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 vous me faites penser parfois à une lampe proie catatonique en hyperglycémie postprandiale, ou bien qui aurait fait une fausse route avec un caillot si c'était possible. Non, Moussaillon, les Noirs, les Arabes et les derniers communistes ne font pas partie de races différentes de celles dont vous avez hérité votre teint d'aspirine javelisée. Et s'il devait y avoir des races différentes entre les humains, je pense que les individus qui présentent une certaine similitude avec le Psychrolutes marsidius ne seraient certainement pas les représentants de la race des seigneurs. Mais pour revenir au sujet, l'intelligence artificielle pourrait représenter un danger. Et c'est pour cela qu'il faut que la recherche avance en prenant des précautions comme par exemple trouver le moyen d'intégrer les trois lois de la robotique imaginées par Isaac Asimov dans les intelligences artificielles avant qu'elles ne soient opérationnelles. L'appel du professeur Hawking est un appel à la réflexion et à la prudence, pas à un largage des amarres en haute mer. Mais le terme générique d'intelligence artificielle, c'est quelque chose de très 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 vaste. C'est, bon, par exemple, vous avez des électrocardiogrammes, je ne sais pas si vous avez déjà passé des électrocardiogrammes, vous avez des électrocardiogrammes qui vous font le tracé, qui vous donnent en dessous le diagnostic et qui vous donnent le traitement, auquel vous pouvez inclure votre passé pathologique et d'autres éléments que vous voulez, et qui va vous affiner votre traitement, et d'ailleurs, le cardiologue, il n'a plus grand-chose à faire dans ces cas-là. Et ça, le pouvoir médical ne se rend pas compte de ça, parce que des choses comme ça, c'est la même chose pour plusieurs spécialités médicales. On vous prend une radio des poumons, eh bien, on va la mettre sur un support et va être confronté à plusieurs centaines de milliers de radios du même type et qui auront été affinées par les algorithmes, c'est-à-dire des projections dans le futur d'un certain nombre d'éléments qui constitutifs d'un corps de connaissance, vous voyez. Oh mon Dieu ! Mais c'est horrible ! Vous voulez dire que l'on pourrait utiliser la technologie pour améliorer le diagnostic et optimiser les réponses thérapeutiques ? Mais c'est ignoble! Quelle bande de salauds! À quand une machine armée de scalpels qui ferait des trous dans les gens pour leur extraire des tumeurs avec une technique invasive minimale? Monstre! Mais est-ce que l'intelligence artificielle peut dépasser l'intelligence humaine? On voit bien qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Je veux dire, face à un ordinateur, c'est l'humain qui gagne. Oui. Est-ce que cette notion-là peut encore évoluer C'est une question très importante sur laquelle je vais me pencher dans mon prochain ouvrage. C'était pas censé être une trilogie, votre machin, là? Parce qu'il y a certainement plusieurs types d'intelligence qui prennent des formes différentes et je suis sûr virtuellement que si on vous greffe Google dans la tête, vous aurez une infinité de
Non, mais c'est ce qu'on a dit à Spielberg quand il est allé chercher les trucages pour son dernier film Jurassic Park. Il a rencontré des ingénieurs qui lui ont dit « Nous, on va greffer Google dans la tête des gens. Bon. » Et c'est la notion de déshumanisme qui est le H+. Nous, nous sommes des H-. Alors, tout d'abord, quoi ? Pouvez-vous faire des phrases intelligibles ? Et ensuite... De quoi ? Aller chercher des trucages pour le film ? Bonjour, madame la boulangère. Bonjour, monsieur Spielberg, ça fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui ? Je voudrais des trucages pour mon nouveau film Jurassic World. J'appelle André, mon mari, qui est ingénieur. Il va vous aider, hein. D'aller, viens me parler, il y a monsieur Spielberg qui a besoin de toi. Bonjour, monsieur Spielberg. Ça fait plaisir de vous voir. Qu'est-ce qu'il vous faudrait ? Il me faudra une demi-douzaine d'explosions, une vingtaine de dinosaures, et puis des motos en action. Ça, c'est un très bon choix, monsieur Spielberg. Vous allez pas être déçu, hein. Mais vous savez, un de ces jours, on s'emmerdera plus avec tout ça. Et là, on bosse avec des copains, on va graffer Google dans la tête des gens, et comme ça, on n'aura plus à se fatiguer, hein. Les H+, c'est l'homme augmenté. C'est l'homme auquel on aura augmenté les capacités. Bon, je vais prendre un exemple très très simple qui va vous aider à comprendre. Vous avez des appareils auditifs, par exemple. Bon, eh bien, dans quelques années, vous allez avoir des appareils auditifs qui vous permettront d'entendre des ultrasons que les chiens entendent, mais que vous, pour l'instant, vous n'entendez pas. Voilà. C'est donc un homme augmenté par les oreilles. Un homme augmenté par les oreilles. Par les oreilles. Un homme augmenté par les oreilles. Eh bien, tout sera comme ça. La vue sera comme ça. Donc le but, c'est de faire des hommes qui auront des capacités augmentées. Bon, alors, jusqu'où ira leur intelligence ? C'est là le problème réel. Ça peut être une bonne chose, par contre. Oui, c'est une bonne chose. Pour l'armée, pour... Moussaillon, c'est bien l'apanage de la petite aristocratie de campagne de tout mettre au service de l'armée. C'est vrai que les ouvriers, ça mérite pas tant d'attention, hein. Ce serait dommage de gâcher pour de la canaille. Oui, mais bien sûr, vous avez des robots dans l'armée, j'en parle, qui sont d'une intelligence tellement extraordinaire que quand ils meurent, les soldats... les enterrent comme des hommes en leur rendant les armes et en jouant l'hymne américain, tellement ils sont sophistiqués et c'est devenu des camarades de combat auxquels on s'adresse. Hein. Ça, c'est déjà comme ça. Oui, il y a d'ailleurs eu des films sur des histoires d'amour entre des militaires et des robots dans l'armée américaine. Brokeback Bender, Full Monty Metal Jacket, Band of Lovers, True Steel and True Leather. Et encore une fois, je vous déconseille les hentai. Alors, mais votre question, pour l'instant, j'espère pouvoir y répondre dans quelques années, jusqu'où ira cette intelligence artificielle ? Bon, mais, il ne faut pas oublier qu'actuellement, il y a plusieurs programmes internationaux qui visent à faire des cerveaux artificiels. Alors, le plus connu, c'était celui qui s'appelait Human Brain Project, qui était à Lausanne et qui a été transporté à Genève et qui s'appelle maintenant Blue Brain. Raté, c'est le contraire. Le projet Blue Brain a été étendu au Human Brain Project en 2013. Les petites fiches. Et il s'agit de reconstituer un cerveau artificiel, mais qui sera fait avec des éléments bioniques, si je puis dire, des éléments digitaux. Et la question, alors les Américains ont le même, ça s'appelle Brain tout simplement, IBM en a aussi un autre projet, bon, mais ces cerveaux artificiels, je veux dire, ils n'ont d'intérêt que si on peut leur donner un surcroît d'intelligence. C'est-à-dire que entre le capitaine Crochet avec son crochet... Oh, Captain, me Captain ! Et maintenant, les bouts de bras qui sont commandés par le cerveau, il y a un progrès, il y a une évolution. Donc, ce cerveau, eh bien, tout simplement, il faudra le faire progresser. Et ça sera une super intelligence. Et probablement, celui qui en sera le possesseur sera le maître du monde. Probablement ! Ouh, la
peur, la peur, le seul fait de posséder un super ordinateur va décider d'être le maître du monde, la peur, ouh, la peur. Et vous parliez de greffer Google dans la tête des gens, justement, vous parlez de Google dans votre chapitre, l'homme bionique, et vous parlez de Google comme une pieuvre planétaire, alors en quoi cette entreprise vous pose problème à vous? J'ai esquissé la chose en disant que pour les transhumanistes, le futur n'a pas besoin de nous et le passé n'a pas besoin de nous. Bon, je sais pas si j'ai beaucoup de temps pour... On a quelques minutes. Mais ne l'encourage pas toi aussi. Bon, bien, il y a une photo qui a circulé, si vous tapez sur Internet, vous tapez Merkel Naked, N-A-K-E-D, ça veut dire nu, bon, en anglais. Photo de Madame Merkel avec deux de ses amis complètement nus, vous tapez ça, ça a été vu par 9 millions de personnes. Bon. Madame Merkel elle-même... Courageux. Non, les images dans la tête, les images dans la tête. Ok, Madeleine, je reviens de ma thérapie, je vais mieux. Alors, les photos de Angela Merkel nue. Ah. Ok, Angela Merkel est née citoyenne de la République démocratique allemande, RDA, où la FKK était très populaire, même si interdite officiellement. La FKK, c'est la Freikörperkultur, la culture du corps libre, littéralement. Ce n'est pas un acronyme pour une police politique, c'est le nom allemand pour le naturisme. Il se trouve que, aussi étonnant que cela puisse paraître, Angela Merkel a été jeune et adepte de la FKK. Ravalez donc ce vomi qui vous a atterri dans la bouche, bande de dégoûtants. Il se trouve que la seule raison pour laquelle on se fait une honte d'être tout nu, c'est juste parce que, depuis 2000 ans, les vieux de la vieille aiment pas voir des petits bouts de kékettes, ou pire, un pilou-pilou au vent. Iiii, kiki. D'ailleurs, la Bible le raconte, vous m'arrêtez si je simplifie trop. En gros, Adam et Ève mangent le fruit de la connaissance, et en fait, la connaissance, c'est mal. Gredin! Si vous étiez restés des imbéciles heureux dans le jardin d'Éden, on serait pas obligé d'arpenter les sept mers pour piller les bourgeois! Méfiez-vous de la science et de la connaissance, ça amène que les emmerdes! Et que se passe-t-il? Quand ils se sont fait une tatin façon Jéhovah, ils s'aperçoivent qu'ils sont nus et se cachent. Iiii, un kiki, une foufoune! Bref, pourquoi je diverge? Parce que toute cette vidéo se résume en deux lignes de l'Ancien Testament. Chercher la connaissance, c'est caca, et être tout nu, c'est mal. Thug life, mec. Eh bien, docteur, sachez que si les curetons et autres grenouilles de bénitier étaient moins coincés du cul, on ne serait pas si choqué de voir des personnes nues. Et ces photos seraient un non-événement comme cela devrait être. Il y a beaucoup de cultures où être nu n'a rien de choquant. Mais je suppose que pour vous, ce sont des sous-cultures de sauvages qu'il faudrait mieux évangéliser à grand renfort de crucifix dans la tronche. Ah, les bonnes vieilles traditions. Oui, et Madame Merkel elle-même ignorait cette photo. Elle ignorait cette photo, elle a grossi hein, depuis, hein. Moi aussi d'ailleurs. Bon, Madame Merkel ignorait cette photo, bon, on lui avait volé son passé. Et le passé, votre passé, Monsieur Bild, où il est maintenant? Il est dans le Big Data. Le Big Data, c'est l'ensemble de toutes les données qui passent par Internet, par Facebook, Alibaba, etc. Tout ça, c'est rassemblé, c'est la grande donnée, et ce big data, on connaît plus que vous sur votre passé. Parce que sur les centaines de courriels que vous avez pu envoyer dans votre vie, vous les avez oubliés. Big data les possède toujours, et les possédera toujours. Bon. Retrouver des photos du passé et les utiliser à mauvais escient, mon bon docteur de chaloupe, vous qui n'êtes plus tout frais et qui en avez tant vu, ne venez pas me dire que ça date de la dernière pluie. Ah, c'est pas comme si ça avait toujours existé, non? N'importe quelle élection présidentielle partout dans le monde depuis la deuxième moitié du XXe siècle, la deuxième famille de Mitterrand, Erwin Albrecht et bien d'autres. Mais pardon, nous nous éloignons de votre point principal. Ouh, la peur, la peur! La peur. Et pendant ce temps-là, en 1839, chez Monsieur Daguerre, rue de la Pépinière à Montrouge. Ah, mais c'est trop cool, mon daguerréotype! Je suis sûr que cela va paver la voie pour des systèmes révolutionnaires qui vont permettre d'immortaliser des moments extraordinaires, tant ce trou le cul, mais avec trop le swag, la monarchie de juillet! Arrêtez cette infamie!
Vous n'imaginez pas ce que vous avez fait! À cause de vous, si ça se trouve, on pourra prendre des images que l'on ne voudrait pas que les autres voient! Ou pire, ça pourrait servir à des gens pour remplir des comptes Instagram débiles et complètement inintéressants! Fou! Danger que vous êtes! Ouais, mais ça pourrait aussi avoir des avantages, genre pouvoir documenter des espèces rares et des maladies pour que les experts puissent plus facilement discuter des faits et des mesures à prendre. Non ! Sataniste déviant ! Tête de gnouve. Maintenant, c'est des données. Ce ne sont que des données. Une donnée, il faut s'en servir pour que ça soit utile. Sinon, c'est un musée. Bon, musée du souvenir, des cartes postales. Bon. Et c'est là où intervient un holding qui s'appelle Deep Learning. Ça veut dire apprentissage en profondeur. Bon. Ces gens-là, ce Deep Learning, je crois qu'il vient d'être racheté par Google pour 450 millions de dollars. Par comparaison, Peugeot, qui est une entreprise qui date de 120 ans, vaut 120 millions de dollars. Saleté de la merloc. Aucun respect pour les bonnes vieilles entreprises françaises. Ah oui, sinon, le deep learning, c'est une méthode. L'entreprise s'appelle DeepMind. Petite fiche, nom de l'eau, les petites fiches. Préparez vos infos, Vindio. Vous êtes peut-être un auteur de fiction, mais vous essayez de convaincre les gens, là. Donc, c'est une puissance. Ça s'est fait en 5 ans. Et que fait deep learning? Il analyse les données. Donc, si vous les données du big data. C'est Internet, simplement Internet, pas big data. Donc, si vous cherchez l'influence du bêta de la BD-hydrogénase sur les carboxylases, etc., etc., big data, le deep learning, en l'espace de quelques secondes, va retrouver toutes les pages qui concernent ce sujet-là. Un homme, pour le faire, lui faudrait une vie entière. Sinon avec Google aussi. Trouver les pages, c'est pas compliqué, hein, et c'est certainement pas le thème du deep learning. C'est comprendre les pages, le but. Learning. Apprendre. Learning. Les petites fiches, non de là, les petites fiches. Et deep learning a sorti 6 médicaments anticancéreux en même temps, et on a calculé que pour en faire un seul, il aurait fallu qu'un homme prenne 37 années de sa vie, et que véritablement il serait mort avant d'arriver au bout de ses 37 années. Oh mon Dieu! Vous voulez dire qu'on pourrait utiliser ces technologies pour soigner le cancer et d'autres trucs comme ça, alors que les êtres humains ne le pourraient peut-être pas dans des délais raisonnables? Mais c'est ignoble! Vite, vite! Appelez l'Inquisition espagnole qu'on empêche ces gens d'être soignés! Cela étant dit, revenons-en à vos propos. Citez vos sources, nom d'un canon du Queen Anne's Revenge! D'où est-ce que vous avez ces chiffres? Autant que je sache, les projets de DeepMind portent sur des nanotechnologies et non des médicaments. Et d'où vous sortez ces 37 années? Aujourd'hui, personne ne travaille tout seul sur un projet pendant 37 ans. Un scientifique fait partie d'une équipe qui va publier des résultats préliminaires. Ces résultats préliminaires vont être utilisés par cette équipe et par d'autres équipes dans le monde qui vont permettre de tester toutes les possibilités liées à ces résultats préliminaires. Docteur, vous racontez n'importe quoi! Donc, Google a rassemblé dans ses mains une puissance qui est bien supérieure à n'importe quel état, parce qu'elle possède la totalité du passé et prépare la totalité du futur. Différence sémantique de pirate, il ne possède pas la totalité du passé. Il possède éventuellement la capacité d'utiliser les informations à disposition sur le passé. Cela comprend notamment des comptes Instagram sur les vacances de Loana et des emails de Kanye West sur son propre génie présumé. Faut relativiser un peu quand même. Votre trilogie, dont le troisième ouvrage est intitulé, on l'a dit, La fin de l'espèce humaine aux éditions de Chiré. C'était pas censé devenir une tétralogie, votre machin? Cette trilogie, elle porte un regard bien sûr très, très hostile au transhumanisme, et quand on lit ces ouvrages, on ne peut que partager ces énormes inquiétudes, ça c'est clair. C'est une œuvre de fiction mal documentée, comme on vient de le voir dans les deux vidéos. Est-ce que je dois aussi avoir peur des hordes de Saruman et des seigneurs Sith? Néanmoins, est-ce que l'on peut sortir de cela, de tout ce qui est la robotique, la bionique, la biologie, la génétique, etc. Est-ce qu'il y a des choses bonnes
à espérer est-ce qu'il y a des nouvelles connaissances qui vont faire du bien à l'homme et qui font déjà du bien à l'homme. C'est ça le quand elles le sont maîtrisées. Oui, bien sûr. Dans le domaine, par exemple, des anticancéreux, il y a toute une série de c'est même fabuleux. On n'en revient pas nous-mêmes. Nous, dans le domaine de l'immunologie, par exemple, on vient de mettre au point un anticancéreux qui va être le chef de file, un peu comme la pénicilline l'a été pour les antibiotiques, des traitements anticancéreux. Et ça, ça concerne des cancers généralisés. Vous voyez, ça commence. Vous voyez, et ça, c'est les bienfaits, si je puis dire, de toute la bionique et toute la recherche informatique. Alors, comme vous dites, avec beaucoup de bon sens, il y a. Est-ce que ça peut être utile? Oui, ça peut être utile. Mais la question, c'est de voir à long terme jusqu'où cela ira. Et là, matelot, on touche au cœur de votre propos maladroit. Vous reconnaissez que les avancées technologiques peuvent faire le bien, mais vous en avez peur, parce que cela peut aussi faire le mal. La réponse religieuse dans le cas de la nouveauté a toujours été la même, le refus. Que cela concerne les premières autopsies de cadavres, Copernic, Galilée, l'abolition de l'esclavage, le droit de vote aux femmes. Ah si, l'Église s'y est opposée. Peut-être pas tous les croyants, mais l'Église oui. En même temps, je cite la Bible, Timmy a dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. » Demeurer. Et Pierrot a dit « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Or, je passe d'un sujet à un autre, mais qui va vous aider à comprendre. J'en doute, mais allez-y, on n'est plus à 3 heures près. Actuellement, il y a quelques années, les gens de Marseille... Plus belle la vie ? ...ont mis au point des microprocesseurs qui sont plus fins qu'un cheveu, qui sont 10 fois plus fins qu'un cheveu. Bon. On utilise ces microprocesseurs pour mettre ça dans la tête des gens qui sont parkinsoniens, par exemple. Et c'est quelque chose de spectaculaire. Vous voyez des gens qui sont comme ça. Et au moment où on allume, on ouvre ces transistors comme on ouvrirait son ordinateur, ces gens-là, d'un seul coup, se relèvent et se mettent à marcher normalement. Ok. J'ai pas trouvé de référence, mais après, pourquoi pas. Essayez de citer vos sources de temps en temps, ok? Ah non, pardon, c'est pas ça que vous vouliez dire. Ah oui, mais c'est horrible! Comment osent-ils soigner ces gens? Alors, on utilise ça, par exemple, dans les acouphènes. Faut pas croire que ça soit quelque chose de très complexe. On imagine un homme sanguinolent dans lequel on met une broche. Pas du tout. Non. Il n'y a que vous et vos lecteurs qui souhaitent avoir peur histoire de mettre un peu de piment dans leur vie chiante entre deux JT de TF1. Ça est fait par les fosses nasales. On fait un trou absolument minuscule à côté duquel une intramusculaire, c'est un tuyau énorme. Et on va mettre par reconnaissance de l'imagerie médicale cet ensemble à l'endroit où on veut. Or, on a établi une cartographie du cerveau. Il y a le centre du bonheur, il y a le centre de la connaissance de la musique. Il y a même le centre qui fait que l'homme, spontanément, croit en Dieu. Oui, le centre des pâtes à la sauce bolognaise, le centre des poulets basquez, le centre des nouilles au beurre. Non. C'est vrai que récemment, il a été identifié que le cortex frontal médial postérieur était très actif chez les personnes religieuses. De manière assez drôle, dans l'étude du docteur Izuma de l'Université de Californie à Los Angeles, il se trouve que la diminution de l'activité de cette zone réduisait l'importance des thèmes religieux pour les sujets, mais réduisait également les idées hostiles aux immigrés. Amusant, non ? Ça, vous gardez bien de donner ce détail quand vous transformez l'énoncé initial en, je cite, « centre qui fait que l'homme croit spontanément en Dieu ». Soyez précis, mon bon docteur, ce n'est pas ce que dit l'étude. Voilà. Et on peut implanter ça, mais ça va très loin parce que ça va jusqu'aux dépressions et même jusqu'à la tristesse. Mais il est possible de stimuler ces centres
de manière extrêmement simple, de manière presque enfantine, par ce qu'on appelle l'électromagnétisme transcrânien. C'est un simple ruban que l'on met comme ça, on ne sent absolument rien du tout, et on peut stimuler ce centre du bonheur. Si vous vous sentez infiniment malheureux, eh bien on va stimuler ce centre du bonheur et on peut vous rendre infiniment heureux. Mais on peut aussi vous faire perdre la foi si on a décidé d'appuyer sur le centre qui permet de croire et de le déprimer en quelque sorte. Alors ça, c'est absolument fabuleux, c'est même incroyable. C'est tellement merveilleux ce que vous dites. Et pourquoi on soigne pas toutes les dépressions comme ça? Sûrement un complot du gouvernement, ces salauds gauchistes mesquins. Ou peut-être que ce n'est pas aussi simple que ce que vous présentez. Ou peut-être qu'encore une fois, vos recherches laissent à désirer. Mais j'y pense, docteur. Vous avez peur de perdre la foi si on vous éteint cette zone qui fait que vous croyez en Dieu. Mais en quel Dieu? Celui des juifs? Celui des chrétiens? Celui des musulmans? Ou celui des sikhs? Les dieux nordiques, le monstre de spaghetti volant, n'importe laquelle des milliers de divinités différentes créées par les humains, dont certaines ont été ou sont adorées depuis bien plus longtemps que les dieux abrahamiques, vous niez. Alors, il a été fait une cartographie depuis longtemps par l'imagerie radiologique médicale. Attention, elle permet de descendre jusqu'au niveau cellulaire. Et il y a 100 milliards de cellules dans le cerveau. Donc elle est capable de descendre jusque-là et d'agir à ce niveau-là. Et ça, c'est un danger extraordinaire pour les hommes, d'autant plus qu'il est possible de capter, par exemple, les pensées des hommes simplement en passant dans une porte. Le fait que le cerveau soit cartographié au niveau cellulaire, oui, non. Pas sûr, là, mon bon docteur. Citez vos sources. Il faudrait que vous preniez l'habitude, c'est fatigant. Hein. Et d'après vous, on peut lire les pensées en passant dans une porte. C'est marrant, parce que je suis relativement sûr que c'est des conneries. Une preuve? Pourquoi les Américains s'emmerderaient à utiliser le waterboarding en contrevenant à toutes les conventions internationales, alors qu'ils pourraient utiliser l'édit port? Par sadisme? Peut-être. Mais ils utiliseraient les fameuses portes quand même pour obtenir leurs infos. Docteur, vous savez quoi? Vous êtes peut-être un auteur de fiction potable, qui sait. Mais vous êtes un scientifique objectivement nul. En tout cas, je vous recommande aux documentaristes du monde entier. Vous êtes un anti-exemple formidable, le modèle à ne pas suivre. Jeune documentariste, si vous voulez réussir dans le métier, faites exactement l'inverse de ce que le docteur Dickes fait. Donc, plutôt négatif, finalement. On a parlé de traitements contre le cancer, de puces contre Parkinson et de traitements contre la dépression. Tu genoux au deuxième rang, tu suis pas, tu sors. Allez hop, dégage. Tu copieras 100 fois, je ne dois pas faire mes conclusions sans même écouter ce qui se passe autour de moi. Ah, ces jeunes, ils ont appris le journalisme avec David Pujadas et ils s'imaginent qu'ils sont des pros de l'investigation. Ouais, et moi je suis gendre idéal, hein. Oui, non, mais c'est-à-dire que c'est comme une voiture, vous comprenez, une voiture, elle peut servir à sauver la vie des gens, elle peut servir à tuer les gens. Ah, si simplement vous pouviez vous arrêter là et utiliser ce que vous venez de dire dans votre propre réflexion. Ce qui compte, c'est la façon dont on l'utilise et le but dans lequel on l'utilise. Or, le but des transhumanistes, je l'ai fixé dans mes deux précédents livres... Non, docteur, vous n'avez rien fixé, ni prouvé, ni même correctement recherché. Vous avez fait une fiction qui n'a une valeur que littéraire. Et encore, je ne peux et je ne veux pas en juger. C'est-à-dire que l'idée, c'est de numériser votre cerveau et de le mettre dans un ordinateur où il occupera l'équivalent d'une perle absolument minuscule à côté de millions d'autres perles. Et je posais la question de savoir qui tiendra le manche de la valise avec la totalité des humains réduits à l'homme de micro-ordinateur. Docteur, tout le monde sait que le Vatican et les cubes Benit Civitas aurait volontiers le contrôle absolu sur tout ce qui se passe dans le monde. Ce qui se décide au niveau politique, la vie sociale des gens, et même ce qui se passe dans l'intimité de personnes adultes, consentantes, conscientes et responsables. Alors ne nous beurrez pas la raie avec votre peur que quelqu'un d'autre que vos pètes froids moyenâgeux prenne le contrôle. Et oui,
Il existera dans le futur comme aujourd'hui des gens qui voudront contrôler le monde. Il y a eu l'Inquisition espagnole, il y a eu les nazis, il y a eu Staline, il y a les djihadistes comme il y a les ricains. Avec ou sans la technologie, les connards ont toujours leur mot à dire. Bien sûr que la technologie, cela peut faire peur, et que c'est effrayant de s'imaginer que le monde pourrait s'abandonner tellement dans la technologie qu'il en oublierait de vivre et de rester maître de sa propre destinée. Mais quelle est votre alternative? Votre alternative, c'est de suivre aveuglément un bouquin écrit il y a 2000 ans par des paysans des sables et de ne jamais le remettre en question. Vous voulez connaître une autre alternative? Développer la technologie et ses garde-fous en même temps. Déjà entendu parler des trois lois de la robotique de Isaac Asimov? Doki. Prenons la voiture autonome de Google par exemple. Bien sûr, on risque de devenir dépendant des machines pour nos déplacements et oublier comment conduire nous-mêmes. Bien sûr, le risque de piratage de ces véhicules pourrait représenter un danger extrême pour la sécurité des personnes. Et évidemment, l'espionnage des déplacements n'en serait que plus simple. Mais avez-vous pensé aux personnes âgées qui sont dépendantes de leur voiture, alors qu'avec l'âge, cela devient de plus en plus dangereux pour eux-mêmes et pour les autres? Avez-vous pensé à tous les accidents qui pourront être évités parce que le propriétaire bourré de la voiture ne sera pas celui qui conduira, mais à une machine qui aura une perception bien meilleure de l'environnement et qui respectera les limitations de vitesse? Alors plutôt que de refuser les changements à tout prix, pourquoi ne pas trouver des solutions en anticipant les problèmes possibles, réfléchir aux détournements possibles et à la façon de les empêcher ou les limiter de façon acceptable? Anticiper les abus politiques et commerciaux avec des lois et un encadrement. Anticiper les défauts et les failles techniques possibles par des sécurités qui minimisent les risques de blessures physiques et si possible les dégâts matériaux. En bref, agir proactivement contre les problèmes hypothétiques futurs pour résoudre les problèmes actuels. Et pas juste se borner à rejeter tout changement et rester bien au chaud avec des soucis que l'on pourrait pourtant résoudre. Pour l'instant, c'était V-Liberté qui est le meilleur centre de stimulation du bonheur. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. Merci. Je ne dis pas non. D'être venu, vous reviendrez pour le prochain, s'il y en a un. Écoutez, volontiers, oui, ou même si... Ça n'était pas la réalisation de l'intelligence artificielle. Merci, Jean-Claude. Eh bien, merci. Voilà, merci, au revoir et au revoir aux téléspectateurs. Si c'est un défi, je le relève, marin d'eau douce. En attendant, je vais aller refouler ces 30 minutes de visionnage à l'aide de ma bonne amie la fée verte. Una mattina mi son svegliato, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato e ho trovato l'invasor. O partigiano, portami via, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano. Portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire sulla montagna, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire sulla montagna, sotto l'ombra di un bel fior, e le genti che passeranno, bella ciao, bella ciao, 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 e le genti che passeranno, mi diranno che bel fior. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.